Ok, mes petits potes, c'est Gérard Cos. Ce soir, ou plutôt aujourd'hui, ou je ne sais pas à quelle heure je vais faire la. À quelle heure sera publiée la vidéo, quoi, voilà. Bref, yo tout le monde, c'est Gérard Cos. Ce soir, nouvelle vidéo, on va parler des jeux qui ont marqué mon enfance. Il y a trois types de jeux, j'en ai mis trois. Alors pourquoi trois? Parce que j'ai envie de te faire durer le suspense. Il y aura peut-être plusieurs épisodes. T'inquiète pas, pour m'y retrouver, j'ai tout prêt. Vu, t'inquiète pas. Du coup voilà, sur ce, commence en vidéo. J'espère que tu vas aimer la vidéo, parce que moi je bégaye. N'hésite pas à liker, t'abonner, lâcher un comme partager. C'est toujours plaisir, voilà. Bah voilà, en gros voilà, et j'espère que tu vas aimer la vidéo. Et si t'as aimé la vidéo, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai un autre type de vidéo comme ça, voilà. Même si je sais, j'ai pas avoir de commentaires. Ça le problème, du coup voilà, je suis un mec pauvre, oui, du coup voilà, du coup oui, trois types de vidéos, trois types de sujets, si moi je bégaye, enfin, je m'articulais, je suis fatigué, trois types de sujets sur les jeux vidéo, du coup voilà, bref voilà, sans plus tarder, j'ai hâte de jacter, on va lancer, let's go. Tell me I'm right, tell me I'm wrong, tell me I'm weak, tell me I'm strong. I'll take a hit to the soul and move on. I know that everything I do is wrong, yeah. You don't know shit about me, you don't know shit about me. Nah, nah, I'm falling down on my knees. Look in the heavens, I see. Your eyes are coated from feelings too strong. My legs are weak from always moving on. You come back hard in my mind every song. We used to sing but now I sing alone. I feel like shit, wish you were gone. I cannot quit, just move along. My mind is stuck, you don't belong, you don't belong. Ooh, oh. La trop la plus claquée, bref. Yo tout le monde, c'est Jargos. Alors aujourd'hui, nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Bon, beaucoup de gens ont pu remarquer en ce moment que mes vidéos YouTube sont consacrées à des petits podcasts. On peut appeler ça, voilà, comme ça. Même si c'est pas un podcast, du coup voilà. Du coup voilà, alors c'est tout simplement parce que je suis exclu des lives sur YouTube pour l'instant, voilà. Nouveau concept aujourd'hui, on va parler de trois jeux. J'ai un peu sur mon ordi. Qui ont marqué mon enfance, voilà. Alors il y a deux types de la même saga. Et un autre qui est autre. je te dis. Numéro 1. Alors du coup, Ratchet & Clank Opération Soupçon. Alors, c'est quoi Ratchet & Clank Opération Soupçon? Alors du coup, c'est un espèce de chat ou de rat de l'espace, voilà. Qui au début est un simple bricoleur de vaisseau. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, il commence à se reconnaître il commence à se reconnaître petit à petit dans la galaxie par rapport aux missions qu'il a effectuées. Voilà. Qu'il a accompli durant sa quête. Alors du coup, c'est quoi les ennemis? Les ennemis de Ratchet sont principalement des aliens. Ça n'a rien à voir avec aliens, hein, du coup. Ta petite blague. Ouais. C'est des aliens, mais pas vraiment des aliens, genre des aliens, genre alien isolation ou quoi. C'est des aliens, mais un peu comme des bisounours, voilà. C'est des aliens animés. Du coup, voilà, c'est des aliens. Des aliens, genre, t'as des... Je me rappelle plus exactement les noms des aliens. Enfin, c'est des aliens dans le monde de l'animation, voilà. Du coup, voilà. Alors, Opération Destruction, c'est quoi l'ennemi principal final? Dans l'Opération Destruction... Dans l'Opération Destruction, c'est quoi l'ennemi principal final? Je me rappelle. En gros, c'est Taxion. Tu veux prendre le contrôle de toutes tes planètes et il veut prendre le contrôle de toutes tes planètes et du coup à la fin tu déglingues, voilà. Et en gros il voulait s'emparer d'un casque interdimensionnel qui permettrait de faire venir des ennemis d'autres ou autre chose, je sais plus quoi exactement, bref. Voilà. Du coup bah à la fin tu quittes ta action et voilà, tu quittes ta action. En ce moment d'action, en gros, si tu veux, il a un peu. Il a un peu exterminé la race des Lombas, dont est la race de Ratchet. Du coup, voilà.
Deuxième sujet, Ratchet Gladiator. Alors celui-là c'est un très très vieux jeu, uniquement disponible sur PS2. Pas de PS3 ni rien, voilà. Du coup alors, tu t'es enlevé par des mecs au début dans l'intro. Et t'as un espèce d'alien. Un espèce d'alien bouffeur de kebab, voilà. C'est discriminatoire. Bref. Non ouais, c'est un alien un peu obèse, comme moi. Du coup, il te fabrique une armure qui te permet de protéger entre parties des missiles. Du coup, voilà. Il te fabrique une armure. Alors, du coup, avec tes coéquipiers robots, tu vas. Attends! Faire coéquipier avec des robots. Du coup, voilà. Alors, l'arène dont tu vas combattre principalement dans le jeu s'appelle Dread Zone. Non, pas Dead Zone, mais Dread Zone. T'as des robots avec des fleurs et tout, voilà. Et le boss final s'appelle A-Starlight. Voilà. Voilà. Du coup, tu vas affronter Verminator, je crois que c'est le boss. Et t'as aussi un gros bon géant, qui s'appelle Raptor, je crois. Je fais une petite recherche sur internet, excusez-moi. Alors donc, les principales boss de Ratchet Gladiator sont A-Starlight, j'avais dit. Gleeman Vox, Eliskirator, Cheshog, c'est un espèce de robot avec des gros canons sur les épaules, et Reactor. Du coup, Reactor, il a des feux normales, il n'y a pas d'arme de base dans son armure robotique. Cheshog te tire des missiles. A-Starlight, c'est pas un robot, c'est un mec comme le pouvoir acheter des en armure. Les Man Vox, celui-là, qui manipule un peu les visionneurs de la série Dread Zone. Et le Skirator, c'est une espèce d'insecte géant, alien. Et le truc là, c'est de tirer des, je crois, des épines venimeuses. Ouais, du coup, voilà. Alors maintenant, on va passer à un des jeux qui ont marqué mon enfance quand j'avais la PS2. La PS2 est mythique, hein, la PS2 est mythique. Ouais. Alors donc, Need for Speed Most Wanted, non, et non pas le 2012, mais le 2005. Du coup, Need for Speed Most Wanted, c'est un jeu qui comporte des vraies voitures. La Renault Clio V6, une de mes préférées, la RX8, la Murcielago Lamborghini, et les voitures la plus pétée, la BMW M3 GTR, c'est l'heure de bloquer sur NFS World, qui est d'ailleurs gratuit. Du coup, voilà, alors donc ça démarre comment? En gros, ça démarre. T'as la BMW M3 GTR qui t'appartient de base. Tu cours contre un mec qui s'appelle Razor. De base, de prénom Clarence Callahan. C'est pour ça que c'est appelé Razor. Je crois que le mec il avait honte de son nom. Il s'appelle Razor. Du coup, voilà, tu cours contre lui et fais un petit dérèglage dans ta voiture. Provoque une panne de ta voiture, donc tu la reprends avec une remorque. Voilà, il te la prend avec une remorque. Voilà. Ensuite, tu dois affronter 15 boss, récupérer ta voiture. Ensuite, tu dois affronter pour pouvoir récupérer la voiture. Et ensuite, quand tu l'as affronté, il arrive des flics et paf, tu prends ta voiture. Et ensuite, les flics te coursent.
des quelques courses. Alors donc, j'ai oublié un petit détail, la meuf qui te guide en question pendant la saison de NFS Most Wanted 2005, elle s'appelle Mia. Du coup voilà. C'est elle qui te sauve des poulets. Parce que de base, quand un zor te pique ta caisse, ta pute de caisse, si ça fait tirer, tu te retrouves clodo à pied. Du coup voilà. Enfin, c'est un terme un peu excessif. Mais en vrai, tu te retrouves à pied étant donné qu'on t'a volé ta BMW. Étant donné qu'on t'a volé ta BMW Projet R. Du coup voilà. Alors donc, tu es embarqué par Cross, je crois, oui. J'ai un petit peu, excuse-moi. Tu es embarqué par Cross, qui est le mec qui te veut ta peau, sa mère. Du coup voilà. Parce que lui, il a une grosse rencontre de Cross. Voilà. Plus Bob dans la ville de Rockford, voilà. Sans baguette par Cross, Mia te récupère avec sa Mazda X8. Tu affrontes les 15 boss. Tu récupères ta BMW M Project, moi j'arrive pas à articuler. Ta BMW M Project, tu la récupères. Ensuite, bah, dans son plein, elle dit go, vas-y, tire-toi, voilà. Et du coup, voilà. Tu te barres avec ta BMW Projet R. Et ensuite, t'es obligé de te tirer de Rockport, c'est bon, t'as cherché, pour mener une vie paisible. Nico, voilà. Alors, tu, à la fin, tu vas te faire. Enfin, j'arrive plus à articuler. À la fin, tu vas ramper sur un pont avec ta voiture. Tu vas sauter. Alors là, t'as un pont comme ça. Là, il y a de l'eau. Tu sautes par-dessus le pont, tu atterris et tu vis trop de temps. Bref, voilà. J'espère que le petit vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. Comme n'oubliez pas, le café, c'est la vie. Voilà. Alors, là, en cas où tu vois une tournée vidéo, il a été actuellement nuit. J'étais malade une semaine. Bon, absolument, je rattrape mon sommeil. Là, je bégaye un peu parce que je suis fatigué. Du coup voilà, voilà. Je sais pas quand je parle montage. C'est ma dix semaine, faut beaucoup que je me repose. Faut que je me repose en max. Max, M-A-X. Ah, mais maximum. Ah, c'est trop par exemple. Du coup, j'en repose en max. Du coup voilà. Voilà. Du coup, je sais pas quand ce montage sera fait parce que là il est actuellement 7h35 du soir. Demain, j'ai un carrefour pour m'acheter des biscuits apéro pour ensuite aller mettre Matrix 2 avec ma mère. Du coup, voilà. Voilà, donc je vais prendre les cachetons quand même que j'ai un traitement pour dormir si on ne dort pas. Je vais prendre les caches très tard, très tôt. J'ai dit, très tard. Je ramasse avec toi, du coup. Je vais prendre mes caches très tôt. Du coup, alors, je prends un somnifère pour dormir. Donc, je vais certainement redormir très tôt ce soir et très vite. Du coup, voilà. Et c'est tout, voilà. Voilà. C'est déjà Russ, like, partage, abonne-toi, commente, ça fait plaisir, voilà. Partage à tes amis si t'as aimé la vidéo. Tant que j'ai envie de trop, voilà, je. Bon. Ah, attends. Je suis pas si pauvre que ça. Étant donné c'est une vidéo de café. Étant donné c'est une vidéo de café. Et par contre pour mon pays, caméra sans mal, je suis pauvre. Caméra sans mal. J'ai pas les moyens de procurer une caméra à 500 balles parce que étant donné que je touche 500 euros par mois, je dois faire les courses, aider ma mère pour les courses, voilà. Me payer tous les ans, ça veut rien dire, ça veut rien dire, oui, ça veut rien dire, oui.
du coup, voilà, me paie mon abonnement tous les ans de PSN, vous savez que j'ai la PS5 et la PS4, du coup, voilà. Faire les cours, me payer des jeux pour vous divertir, voilà, me payer du matos gaming, voilà, je dois utiliser mes sous parce que j'ai plein de trucs à acheter en ce moment. Voilà, voilà, je dois dépenser beaucoup de sous en général parce que des choses à payer, voilà, tout simplement, du coup, voilà. Alors c'est pour ça, si tu veux m'aider pour payer le matos gaming, les jeux gaming, etc. Peut-être te faire des unboxing, voilà. T'as juste, c'est gratuit, pas besoin de numéro de carte bleue, c'est gratuit. T'as juste besoin d'une adresse mail, Gmail, tout comme tu veux, d'un mot de passe et d'un pseudo. Avec ton compte YouTube et t'associer à ton compte Google. Voilà. Ouais. Like, commentaire, comment partage, pour finir. Ciao. Ah oui, actuellement, alors je tourne cette vidéo, je suis en train de publier un gameplay. Donc cette vidéo là sera peut-être publiée après le gameplay, voilà. Bref, sort ce like, abonne-toi, commente, tout ça, voilà. Bref, voilà, à plus pour nos vidéos, à plus pour nos gameplays, à plus pour nos vidéos comme ça, voilà. Bref, voilà, du coup, voilà, je sais plus quoi dire, Bref, voilà, il y a un gameplay avec énormément de montage. Je suis en train de te préparer. Là, je crois qu'il y a une fille de publier, là, enfin, il a décidé de convertir en HD, importer tout ça, tu vois. Bref, voilà, abonne-toi, like, partage, commente, ça fait plaisir. Voilà. Et à plus pour le gameplay, voilà, une vidéo. Tu m'as compris, voilà. Ciao.